Salut, lundi matin. Bon, je vais pas vous cacher que je suis un peu en angoisse là parce que depuis ce matin, je n'arrive plus à vloguer avec ce téléphone. C'est-à-dire que tout est flou, ça bouge partout, partout. Là, je sais pas, j'ai essayé de faire des réglages, mais bon. À chaque fois, donc en fait, je parle, je remonte pour voir un peu. Là, j'ai l'impression que ça bouge pas des masses, mais encore une fois, j'en sais rien. Bref, je vais faire quand même cette intro. J'espère que tout le monde va bien. Tempête de ouf quand même, hein, en tout cas, sur tout le nord de la France. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai cru vraiment que mon toit il allait, surtout je dors vraiment sous le toit, j'ai cru que mon toit il allait partir pour vous dire à quel point ça soufflait. Jack, jamais il dort avec moi, en tout cas dans le lit et tout. Il est venu pendant que je lisais, sous la couette, contre mon ventre, tellement il a eu peur. Voilà, bon, j'espère qu'il n'y a pas trop trop de dégâts, je sais que c'est vraiment le nord de la France, nord-nord qui a été touché. Et j'ai eu aussi sur Insta des abonnés qui viennent de Belgique qui me disaient que c'était chaud. Sinon, j'ai reçu un colis et je ne sais pas ce que c'est. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai des petites choses à aller faire également aujourd'hui en ville. Bref, là si ça fait une couleur bizarre, c'est normal. Je viens d'estomper mon rouge à lèvres qui est un petit peu corail et tout l'excédent s'est mis là. Voilà. Regardez, j'ai enlevé toutes les housses pour les laver, mais sur les trois, il y en a deux qu'il va falloir. Elles sont là que je lave à la main. Et je vous avouerai que je ne l'ai jamais fait, donc je sais pas trop. Je pense que je mets un petit peu de lessive diluée, c'est ça? Et puis je frotte à la main. Parce que ça a quand même perdu, hein, au niveau de la couleur. Je vais faire ça. Enfin, d'abord, on va ouvrir le colis quand même. Le gros colis qui se trouve ici. Alors, je sais pas, je pensais que c'était peut-être une box, genre la box évidence et tout, mais jamais je reçois dans un gros colis comme ça. Bon, on va regarder. J'allais prendre les ciseaux, mais c'est pas la peine. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est hyper lourd. New Angels Paris. Hello Caroline, merci d'avoir participé à notre campagne. J'espère que notre routine... Ah oui, hydratation te plaira, l'équipe New Angels. Effectivement, c'était pour faire la campagne de cette marque. Oh, génial, un soin visage. Et c'était par le biais de la plateforme dont j'ai tout reçu gratuitement. Ivancy. Oh là là, excellent. On a la crème visage au lait de chèvre. Et nous avons... Lotion pré-soin. Génial. Ah, vraiment. Je viens d'ouvrir et regardez-moi ça. J'ai rarement vu autant de soins dans un packaging et tout est marqué à l'intérieur. C'est très très bien pensé. Ce qui est important, donc voilà, cette crème va être très hydratante, fondante, au lait de chèvre et ça va assurer une hydratation en continu de 24 heures. Elle est riche en acides gras, en vitamines. Oh, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Et je peux vous dire qu'il est très très lourd. Oh, lotion pré-soin. Donc ça ne se rince pas. Cool. On va dire que c'est comme un sérum. En plus, ça tombe vraiment très bien. Je n'avais plus de soin, de crème visage vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment le tester. Tous les jours, pendant un bon petit moment. Et je vous en reparlerai. Forcément, je vous dirai si j'ai vu vraiment des bienfaits dans mes prochains vlogs. C'est pas mal. Ça y est, je viens de laver les deux coussins à la main. Je vais l'étendre, je l'ai essoré, bon, comme j'ai pu. Du coup, j'en ai profité, je fais une autre lessive. Quant au deuxième coussin, je l'ai mis comme ça sur une... Parce que là, pour le coup, pour essorer, c'était chaud. Ça a dégorgé, vous auriez vu. Sur une serviette, et puis je vais le retourner régulièrement. Ça recommence, regardez. L'image. Non, mais ça craint. Je vais être obligée d'aller chez Auchan. De toute façon, je paye tous les mois une assurance. Mais c'est pas possible. Regardez. Ça m'agace. Donc je vais descendre, je vais manger, voilà. Alors ce qui est drôle, c'est quand je filme comme ça, de cette... enfin c'est pas drôle, ça va. J'avoue que quand je regarde comme ça, j'ai l'impression que ça va. Bon, mes cheveux longs, mais... Je sais pas, est-ce que ça bouge en arrière-plan? J'en sais rien, mais enfin bon, si une prise sur deux, ça va pas, au moment de tout regarder, de faire le montage, si c'est pas... Enfin, ça sera pas cool quoi. Bon, je laisse passer ce vlog et puis je verrai. Ce midi, ça va être tranquille. Poisson à l'andalouse, riz safrané, petits légumes. Ça a l'air bon. Voilà le résultat de mes ongles après avoir lavé les deux coussins à la main. Est-ce que j'aurai eu le même résultat en ayant du gel? Pas sûr. Je vais en faire un autre petit test juste pour l'angoisse. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que ça va. Ah, camion UPS qui s'arrête devant chez moi. Qu'est-ce que c'est? Il y a une livraison, bébé. UPS, t'attends quelque chose, toi? Bon, ça doit être moi encore. Mais des fois, je suis pas au courant. Il y a des marques qui m'envoient des trucs et je sais même pas. Bonjour.
Un petit colis, tenez. Merci beaucoup. Je vais demander une petite signature. Ça marche. Merci. Merci, bonne journée. Vous aussi, au revoir. Le petit colis. Oui, la plante, eh ben, au final, j'aime bien. Et le pot, c'est pas vilain, donc peut-être pas en acheter un tout de suite. Ah, c'est prêt, c'est prêt. Carolinaire, oh, c'est une marque, ça. Qu'est-ce que c'est, mon saké? Tu sais, toi, c'est la journée des colis, dis donc. Honnêtement, présenté comme ça dans un autre contenant, ça le fait. J'ouvre après, hein. Je vais manger quand même. Puisque mon plat est beaucoup trop chaud, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert. Mais alors là, j'hallucine. J'étais pas au courant, en fait. La marque Ice Watch, qui m'avait déjà envoyé une montre, m'a envoyé une autre montre. Pour la Saint-Valentin. Waouh! Et ben voilà, joyeux Saint-Valentin et bonne découverte de notre nouvelle collection Ice Flower. Bah merci. 11 modèles de cette... J'en ai repéré un ou deux là. Bon, de toute façon, on regarde ça ensemble après. Maman, elle n'est pas contente, mon Jackie. Je m'en fous, je le dis. Il était en train de... Mais il avait la tête dans mon poisson. C'est pas très très gentil de faire ça à sa mère. Qui, je le rappelle, t'a rassuré hier soir. Hein? Tu faisais moi le malin. Alors, je sais pas, je veux que ce soit toi qui l'ouvre et tu non, me dis. Ça, tu m'as pas répondu. Bah là, je suis avec la nouvelle perche. Ça a l'air d'aller, mais cette perche, tout à l'heure que j'ai essayé, ça le faisait aussi. Donc c'est vraiment... Peut-être ta main alors. Bon, je me mets là. Okay. Tu me fais le suspense, hein. Mais je peux pas l'ouvrir, il y a l'autre. Ah. Que pour femme. Bah là, c'est la collection Flower, donc oui, je pense. Bon, bah, il n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, alors déjà, quand on ouvre, c'est comme ça. D'accord. Et la voilà. Ah, elle est jolie. J'ai cru qu'ils allaient mettre la rouge, tu vois, qui est peut-être moins évidente à porter. Oh, elle est belle, blanche et avec un bouquet de rose. Elle est très originale, regarde. Tu en penses quoi? Elle est belle. Non, mais sérieusement. Venise, ça va pas. Ah, l'enfoiré. Voilà le modèle de plus près. Elle serait jolie. Et donc, elle va sous l'eau, je crois. Ouais. Elle coûte 100 euros. Alors, je sais qu'il y a deux modèles, small ou medium, donc peut-être que le prix est différent. Monsieur est frustré, monsieur est énervé. Alors, il s'en prend au tapis. J'aime pas trop ça. Hein? Je vais étendre le linge. Étendage terminé. J'ai plus qu'à me mettre le vernis parce que si je dois faire les close-up, donc les articles de près, on va voir mes ongles. Ça fait un peu de désordre. Alors, je passe du coq à l'âne. Je suis en train de faire tous les close-up là, de la woodbox. C'est fini d'ailleurs. Et là, j'ai plus qu'à faire la vidéo. Je me suis juste mise là pour éviter, parce qu'il y a encore vachement de vent. Je suis sortie là. Il y a encore beaucoup de vent. Bon, c'est pour dire que j'avais terminé. Le truc il s'ouvre, je vais chercher mon renouvellement de médicaments. Et pour vous dire quelque chose de très important, pour continuer dans la lignée des choses qui ne fonctionnent plus ou pas, notre télé, pas la télé du salon, mais la télé dans le bureau d'Eric, la très grande, vous savez, elle est morte depuis samedi déjà, ça allait pas trop. Mais là, c'est fini, Eric est dégoûté, moi aussi. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait deux télés, rappelez-vous, celle du salon, c'était il y a même pas un mois. Et moi, j'arrête pas de dire, ça souffle, c'est l'humidité ambiant. Des fois, ça peut fragiliser les appareils électriques. Enfin, j'en sais rien, j'espère pas, parce qu'il y a quand même des ordis. Ça me stresse, ce genre de truc. Bon, bah la tempête était vraiment pas terminée. Hein. La coiffure, mais un truc de dingue. Ça soufflait, ça devait être la fin, quoi. Mais ça balayait encore vachement. Oh, j'ai pris l'air. Ça, c'est mon petit médicament. J'ai pris mon épargne, mandarine ou clémentine, je ne sais jamais. Et j'ai pris ceci parce que ils sont exceptionnellement bons, ils sont délicieux. Est-ce que vous les connaissez? Onctueux, comme si c'était du Nutella, mais c'est pas du Nutella à l'intérieur. Attends, il ne focus pas. Et c'est croustillant, enfin, c'est super bon, un peu trempé dans le lait et tout. J'adore. Je suis passée à la banque parce que, putain, ça devient showtime, hein. Faut que je paye le toit parce qu'on avait des tuiles qui ont bougé. C'est même pas pour le... C'était une petite réparation, 2000 euros. Ensuite, faut que je paye l'ordinateur d'Eric Lafin. La télé. Bon, la télé, ça attendra. Tant pis. Enfin, bon. Tout arrive en même temps. Tout. Donc, je suis passée devant un tabac. Et je me suis dit, Caro, ça fait très longtemps. Ça fait plus d'un an. J'en prends quasiment jamais des tickets à gratter. Et ben, on va tenter. J'en prends tellement peu souvent que j'ai un doute. Mais je l'ai acheté 5 euros et je crois que j'ai gagné 50 euros.
Regardez là, le 45 là qui est juste ici, 25. Et j'ai le 45. Et là, ils disent que si tu as x1, x2, x5, tu remportes la somme et que tu la multiplies par le nombre. Et là, il y a 5 euros x 5, donc 50 euros. J'ai un doute, mais c'est cool. Bon, on va pas me payer le toit, la télé et tout, mais bon, celui-là, par contre, il n'y a pas de doute, j'ai perdu. Voilà, j'ai bien regardé, il n'y a rien. Par contre, l'autre, 50. J'ai payé 8 euros, j'ai gagné 42 euros. Du coup, t'imagines quand même, là, 500 000 euros, ça va te faire un choc. Wow. Un peu comme vous l'avez vu la nouvelle pub. Alors pour Française des Jeux ou Loto, je sais plus, ils sont un groupe de jeunes, on la voit en boucle. Au tout début, j'ai dit waouh, elle est super bien faite et tout. Et après, mais gavage, gavage. C'est comme un titre qu'on te met tout le temps, à un moment donné, tu peux plus le voir. Tu peux, voilà, je peux plus me la voir cette pub. À chaque fois, voilà, c'est le désavantage. J'ai été prise d'une envie de tout ranger. J'ai fait la vaisselle, là je suis en train de trier. J'ai fait la comment s'appelle? La litière de bébé Jack, j'ai fait du tri, la lessive. C'est bien, c'est bien. Ça va mieux en fait, ta tête? Non. Non? Encore? Oui. Et c'est l'instant où vous contrarie. Ah d'accord. Faut que personne ne me contrarie. Donc, Eric vient d'entrer et voilà la grande télé qu'on va enlever. Parce que c'est sûr que ça ne fonctionne plus du tout. Je vais t'aider, bébé. On va la mettre en haut et puis on va remettre une petite qu'on avait. Et voici la... Oh, ça fait drôle quand même, c'est tout petit. Oh là là. Bon, écoute. C'est quand même mieux que rien. En espérant qu'elle crame pas, parce que là, vraiment, on se poserait des questions. Mais moi, je te dis que ça vient peut-être de l'humidité ambiante de la maison. Il n'y a pas d'humidité, regarde, les murs sont secs. Ben non, ils sont pas secs. Ici, oui, mais pas là. Vous trouvez que les murs sont secs? Vous avez vu les auréoles? Regardez. Voilà. Est-ce que ça, c'est des murs secs? Ben non. Je suis montée pour m'avancer un peu, pour dégrossir le vlog de demain. Et je suis tombée sur le vlog de deux gars et un chien, dans lequel, en fait, ils montrent ma réaction quand je reçois leur colis, qu'ils m'ont gentiment offert. La vidéo, je vous montre un petit extrait. Donc, franchement, attendez. Et ben, allez les voir. Ça vaut vraiment le coup, aussi bien leur chaîne que les produits. Leur produit. Ce que ça donne. C'est fort probable que je la mette quelque part par là. Ça me fait trop plaisir pour la garder en fait dans son décor. Voilà. Bon, encore merci à vous. Bon, ce soir, je vais me faire. Ça va être des œufs, du maïs, un peu de chavroux. Ça crame, mais ça sent bon. Ah, mon petit maïs. Ah oui, j'ai oublié de préciser, chaud toujours le maïs. Bon, moi, je préfère un petit peu doré comme ça. Je viens de faire deux œufs et un peu de gruyère. Bon, encore une fois, j'ai mangé qu'un petit bout de poisson ce midi, donc ça va. Je vais continuer, je vous en ai parlé rapidement, mais vraiment, elle est très très bien. What If, cette série, c'est un petit peu une série, bon, intrigue, thriller, il y a la Renée quand même, il y a quand même Renée Zellweger qui vient de gagner l'Oscar de la meilleure actrice avec le biopic de Judy Garland. Très très bien, je vous conseille, je vous en dis pas plus. J'ai terminé la série, bon, il y avait qu'une saison, vraiment très très bien, je vous la conseille encore. Bon, je vous fais un gros bisou et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Salut!